Ah, voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Alors, bonjour Nadia. Bonjour Antoine. Donc, nous sommes le 20 février, il est 20h à Kiev et il est 13h ici au Canada. Donc, content de vous revoir. Et puis, donc Merci. vous venez de faire un accompagnement avec un client français de 8 rencontres. Mais avant tout, il y a beaucoup de Français qui m'ont appelé dernièrement, de clients qui m'ont, enfin de Français et de Québécois qui m'ont appelé pour me demander si on était toujours en activité et qu'est-ce qui se passait à Kiev. Donc vous êtes à Kiev et pour l'instant, enfin, quelle est la situation présentement pour vous? Antoine, je comprends que, bien sûr, notre conversation ne porte pas sur la politique, mais quand même, il faut que j'en parle un tout petit peu pour décrire la situation, comment je la vois et comment la vivent les habitants de Kiev. Bien sûr, je ne suis pas un politologue, mais quand même, mon avis d'une personne qui vit ici à Kiev. Il faut dire que chez nous en Ukraine, il y a le pluralisme, c'est-à-dire il y a les politologues même, ils peuvent donner leur vision de la situation et ces avis ne sont pas toujours les mêmes. Donc, ils analysent la situation et ils ne sont pas, pardon, ils n'ont pas encore trouvé la réponse qui puisse arranger tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vraiment, la situation est ambiguë parce que l'Ukraine, maintenant, est en état difficile. Il y a beaucoup de politologues qui sont d'avis que c'est plutôt la guerre informationnelle qui se déroule. Pour le moment, il n'y a pas de phase active de la guerre. Si vous me permettrez, je ferai une toute petite rétrospective des événements, c'est que l'Ukraine vit dans la situation du conflit militaire depuis 2014. C'est-à-dire les Ukrainiens en masse se sont habitués à la présence du conflit sur le territoire de l'Ukraine. C'est au sud-est, la région de Donetsk et de Lugansk. Mais même pendant la phase active du conflit, ici à Kiev et dans la plupart des régions, il n'y avait pas des témoignages de la guerre. Bien sûr, on comprenait qu'il y a des combats, il y avait des combats, il y avait des blessés qui étaient envoyés dans des hôpitaux, mais une chose étrange, vraiment, rappelez-vous, vous avez filmé en 2016, 2015, 2016, vous avez filmé, vous avez fait la vidéo à Kiev, c'était tout à fait calme, les groupes venaient, les clients venaient. Les femmes aussi, elles pouvaient voyager librement. Donc même, je me permettrai de répéter que même pendant une phase active, il n'y avait pas de témoignages de la guerre dans la plupart des régions. Si on parle de l'état psychologique des Ukrainiens, vous savez, la psychologie humaine, elle s'adapte à tout, on peut de tout. Donc, on est au courant qu'il y a toujours le conflit militaire. Maintenant, il n'y a plus de phase active. Il y a quand même il y a des manœuvres de temps en temps. Mais encore une chose, maintenant, on vit encore la pandémie de COVID. Et le fait qu'il y a cette pandémie, il a fait oublier complètement ce conflit militaire. Et pendant ces 2 ans, au cours de ces 2 années, on parlait plutôt de la pandémie que du conflit militaire. Et s'il y en avait, pardon, s'il y en avait ces témoignages du conflit, c'était, on peut dire, de passage. Vous savez, c'est vraiment une chose étrange. Voilà. Et maintenant, quand la situation avec le COVID s'est améliorée, on peut, parce qu'il y a déjà la vaccination, de plus en plus d'Ukrainiens sont vaccinés. Il y a déjà l'espoir que le COVID deviendra une des infections endovirus permanents, mais pas si dangereux que maintenant, voilà,
à nouveau ce conflit qui réapparaît. Voilà. Et en ce qui concerne la situation d'aujourd'hui, les avis sont partagés. Il y a des gens qui paniquent vraiment. Surtout, il y a beaucoup d'étrangers qui ont été, si vous voulez, remués par leurs ambassades, par les médias occidentaux. Et c'est pourquoi les étrangers, bien sûr, s'ils ont la possibilité de partir, ils partent. Par contre, il y a des gens qui ne veulent pas partir. Voilà, encore une chose, c'est que même avant, à partir de 2014, la phase active, 2014-2015, les ambassades ne quittaient pas Kiev. Maintenant, les ambassades de la Grande-Bretagne, du Canada, de l'Australie, des Pays-Bas, ils ont été transférés à Lviv, c'est la ville à l'ouest de l'Ukraine. Mais d'autres ambassades sont restées. Voilà, et on voit dans cet événement, excusez-moi, mais je me permettrai de dire une certaine manipulation peut-être. Il y a beaucoup de gens qui sont de cet avis. Donc, les politologues, ce n'est pas mon avis à moi, parce que je comprends que maintenant, mon rôle est de peut-être regrouper les connaissances que j'ai à ce sujet et de vous les rendre. Donc, je vous dis honnêtement qu'il y a des gens qui sont vraiment anxieux et qui sont prêts à partir, les étrangers ainsi que les citoyens de l'Ukraine qui quittent les régions qui confinent à la Russie ou bien à la Biélorussie au nord, et qui partent vers l'ouest de l'Ukraine. Ou bien s'il s'agit des personnes riches, nos députés, par exemple, il y en a beaucoup qui sont partis en vacances, entre les guillemets, dans les pays étrangers où ils ont des villas et l'immobilier. Par contre, on peut applaudir aussi à notre président, Zelensky, qui est contre la panique. Il a une tâche difficile à accomplir, parce que je vous dirais aussi honnêtement que Zelensky, comme beaucoup de présidents d'ailleurs, il n'était pas apprécié par tout le monde, par toute l'Ukraine. Les avis aussi sont partagés. Il y en a ceux qui préfèrent notre ex-président Porochenko, les autres sont plutôt pour Zelensky, mais Zelensky a une tâche difficile, parce qu'il doit assurer la sécurité du pays en général. Il doit arrêter la panique, parce que la panique, c'est un mauvais conseiller, n'est-ce pas? Et bien sûr, il ne veut pas gâcher les relations avec les partenaires qui nous aident beaucoup. En même temps, il voudrait diminuer la panique. Et maintenant, il est déchiré entre tous ces événements et il cherche l'équilibre. Pour le moment, il arrive à le faire. Ensuite, en ce qui concerne les visites des clients, je peux dire que... Non, je voudrais. J'ai des questions à poser par rapport à ça. Moi, je pense quand même qu'il y a une. En tout cas, moi, si j'étais à Kiev, je partirais. Parce que je pense que. En tout cas, s'il y a des clients qui m'appellent pour me dire est-ce que je peux aller à Kiev en ce moment, je vais leur dire non, c'est pas la bonne période. Parce que. Je pense sincèrement que il y a quand même un risque, il y a un risque d'invasion. Je pense qu'il y a une guerre d'information, mais je fais plus du tout confiance à Poutine. Moi, je pense que Poutine a des intentions de. Je suis certain qu'il va faire quelque chose. Je veux dire, c'est pas possible d'amener 150 000 soldats, des tanks, des bateaux, des avions, juste simplement pour faire une guerre d'information. Ça coûterait trop cher. Il y a trop de choses. Il va forcément se passer quelque chose. Et personnellement, moi, bon, je suis pas en Ukraine, hein, mais si j'étais en Ukraine, je serais très inquiet. Mais vous semblez dire que. Les Ukrainiens n'ont pas du tout cette impression-là. Vous savez, je ne dis pas qu'ils n'ont pas du tout cette impression, parce qu'il y a des gens qui, je vous dis franchement, que
Il y a des gens trop anxieux qui sont prêts à paniquer à n'importe quel événement et ils vident des magasins. Voilà la suite de cette panique. Mais vraiment, vous avez raison que Poutine, c'est un personnage à qui on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est vrai. La réputation de Poutine est connue dans tout le monde et en plus, c'est un leader d'un empire qui possède les armes nucléaires, ce qui diminue le risque. Donc, c'est vraiment un empire. Et tout ce qui se passe en Ukraine en ce moment, c'est la lutte entre les empires, les États-Unis en fait. Et la Russie et l'Ukraine, c'est un champ de bataille en fait, malheureusement. Mais vous avez raison qu'il y a des gens anxieux. Par contre, il y a des gens qui comprennent le risque, mais ils sont, si vous voulez, leur comportement est philosophique. Philosophique parce qu'on dit, s'il y a une invasion, où on peut aller, où on peut s'enfuir. Parce que chez nous, on dit qu'il faut être préparé, il faut préparer des bagages au minimum pour être prêt à partir tout de suite. Mais il y a des gens, c'est un peu fataliste, mais on se demande où s'enfuir. Ouais. Finalement, même les ambassades qui ont déménagé d'une manière très démonstrative à l'ouest, si Poutine a quelque chose dans la tête, est-ce que ces gens-là ne comprennent pas qu'il n'a aucun obstacle pour bombarder directement Lviv, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment des mesures inutiles, je dirais, que si vraiment l'ambassade de la Grande-Bretagne, des États-Unis, voilà, s'il avait voulu vraiment sauver leurs employés, ils auraient quitté l'Ukraine pour une période assez indéterminée, n'est-ce pas? Mais maintenant, ils restent en Ukraine, c'est pourquoi ça pose aussi des problèmes. J'essaie de réfléchir tout simplement. Vous savez, je suis comme beaucoup de personnes, bien sûr, il faut être vraiment très stupide pour ne pas avoir peur, n'est-ce pas? Donc, mais il faut réfléchir un peu et finalement de considérer tous les côtés de ce problème. Vous avez raison, les gens qui se sentent sécurisés dans leur pays, s'ils vous demandent si ça vaut la peine d'aller dans le pays qui court ce danger, bien sûr, votre réponse est raisonnable. Donc, attendez un tout petit peu jusqu'à ce que la situation se stabilise. Mais Ouais. qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les Ukrainiens? Rien ne sert à paniquer, il faut quand même, il faut réfléchir. Et on réfléchit que toutes les possibilités sont possibles, n'est-ce pas? C'est-à-dire, toutes les situations sont possibles. Peut-être c'est un grand jeu politique, où l'Ukraine, comme j'ai déjà dit, le champ des batailles. Poutine veut que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN. C'est un de ses objectifs principaux. Donc, il ne veut pas l'OTAN près de ses frontières. Il ne veut pas que l'Ukraine participe aux manœuvres s'il y a des troupes de l'OTAN. Biden, il a aussi ses raisons parce qu'elle aura bientôt son électorat. Elle veut être un héros dans les yeux des Américains. Voilà, Ouais. on nous vend des armes et l'Ukraine a déjà pris beaucoup de nouveaux crédits et à cause de cette panique, les investisseurs quittent l'Ukraine. Donc l'Ukraine Ouais. a déjà beaucoup perdu. Donc on peut voir que c'est non seulement les raisons économiques, pardon, politiques, mais c'est aussi les raisons économiques. L'Ukraine peut sortir très difficilement de cette situation, elle peut sortir ruinée encore plus qu'elle est maintenant, malheureusement. Parce que avant, la situation était meilleure, bien sûr. On a eu des investissements, même la pandémie n'a pas empêché de continuer parce que les gens s'adaptent un peu de tout. Le monde a réussi à recommencer à vivre, même pendant la pandémie, n'est-ce pas? Il faut le faire. Et maintenant, cette situation. Mais quand même, il faut attendre, il faut nous patienter un peu, mais être raisonnable. Ouais, enfin moi c'est une situation qui m'intéresse beaucoup parce que
Bah, à cause de l'agence CQMI, ma femme est Borislava est ukrainienne, donc c'est sûr que je regarde beaucoup les informations. Et c'est sûr que au départ, je trouvais que Poutine avait des raisons, mais dernièrement, j'ai changé d'avis quand j'ai vu que Poutine et Xi Jinping, le président chinois, qui sont copains, qui font des plans ensemble. Quand on sait que c'est un dictateur qui a enfermé des millions de Chinois dans des camps de concentration, c'est pas très rassurant sur les intentions de Poutine. Et puis j'ai l'impression qu'il est vraiment pas très équilibré d'un point de vue psychologique, et qu'il est prêt à faire des choses catastrophiques, quoi. Et puis moi, je me sens plutôt proche du camp occidental que du camp. En tout cas, mes opinions dernièrement ont changé. Mais c'est sûr que Zelensky, je trouve qu'il est courageux. Mais par contre, je trouve qu'il y a eu un manque de prévoyance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, qu'on se trouve que peut-être que l'Ukraine se retrouve dans une situation qu'elle aurait peut-être pu prévoir un peu plus tôt, parce que c'est sûr que le feu était sur la ma la marmite était sur le feu depuis un certain temps. Et d'ailleurs, il y a un canal YouTube que je suis beaucoup, c'est Match Garanti, c'est Joe Richards qui travaille avec Olga Petrovna et Tatiana, là, qui sont. Donc c'est un Canadien. Et lui, il est marié avec une femme ukrainienne aussi. Et il a fait une vidéo il y a une semaine, et dans laquelle il disait qu'ils étaient partis. Donc ils sont partis de l'Ukraine, ils habitent à Odessa. Et ils sont partis en Bulgarie, au bord de la mer. Donc, ils ont quitté pour un mois. Mais évidemment, ils ont de l'argent, donc ils peuvent se le permettre. Tous les Ukrainiens ne peuvent pas se le permettre, ça c'est vrai. Et lui, ce qu'il disait dans sa vidéo, c'est que c'est un peu comme quand on cuit. Il y a une expérience avec la grenouille qu'on met dans un bocal, dans une casserole avec de l'eau froide. Et puis, on fait chauffer la casserole et l'eau chauffe tout doucement. Donc au départ elle est froide, ensuite l'eau devient tiède, et puis à aucun moment la grenouille pense à sauter hors de la casserole, parce que la température de l'eau change de façon très très progressive. Et quand la température atteint 90 ou 100 degrés, il est trop tard, et à ce moment-là la grenouille elle est cuite. Les carottes sont cuites, comme on dit l'expression en français. Mais ouais, moi, pour tout ça, pour dire que j'ai pas du tout confiance dans Poutine, et j'ai pas une bonne intuition sur ce qui pourrait se produire. Plutôt inquiet, en fait. Mais bon, personne ne sait, hein. On verra bien ce que la situation va donner dans le futur. Je peux dire aussi, est-ce que vous me permettrez de rajouter que, bien sûr, c'est un partage du monde. C'est pourquoi Poutine, dans la politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas même de partenaires. Il y a les regroupements qui sont opposés aux autres regroupements. Donc, la Russie et la Chine, elles sont en train de partager le monde, ainsi que les États-Unis et les pays européens, n'est-ce pas? C'est comme à l'époque soviétique, c'était le camp socialiste et le camp capitaliste. Maintenant, les choses ont changé un tout petit peu, mais le principe est le même, on peut dire. Et nous, en ce qui concerne les gens qui ont le choix, bien sûr, il vaut mieux d'être en sécurité et attendre. Mais nous, comme je plaisante, et non seulement moi, on dit que, on ne peut pas quitter notre sous-marine. Vous savez, parce que
Les gens qui n'ont pas où s'enfuir, ils sont renfermés comme dans la sous-marine. On ne peut Ouais. pas la quitter. Donc, il faut être prêt, mais il faut, comme j'ai déjà dit, éviter la panique quand même. Il faut envisager tout, prendre en considération, calculer, si vous voulez, vos pas, vos actions, mais quand même rester en capacité de réfléchir. Voilà, et Ouais, on verra, bien sûr. on verra. Ouais. Est-ce que dans ma dernière lettre là que j'envoie le samedi, j'écrivais que finalement tous les gouvernants sont des hommes. On regarde Zelensky, c'est un homme. Macron, Poutine, Xi Jinping, le responsable chinois, le chancelier allemand Olaf, je ne sais plus comment. Ce sont que des hommes et je me demandais ce que serait le monde si c'était plutôt des femmes qui dirigeaient les gouvernements. Et il y aurait peut-être des fois on se dit peut-être qu'il y aurait moins de... Parce que c'est beaucoup des histoires d'ego et d'hormones et de... Et puis au final, il y a des millions de gens qui meurent et des gens qui sont tués, des enfants et des catastrophes. Et puis, je pense que s'il y avait plus de femmes dans les gouvernements, il y aurait probablement moins de ce genre de catastrophes et de morts. Mais dans beaucoup de pays de l'Europe, les femmes, ils remplissent les fonctions des ministres comment ça s'appelle, de la défense, n'est-ce pas? Par exemple, ou bien les premiers ministres. Bien sûr, elles n'ont pas peut-être toute la plénitude du pouvoir. Non. Mais même le président, quand même, il doit envisager toutes les nuances, n'est-ce pas? Elle ne peut pas prendre la décision lui-même, parce qu'il y a, je crois, beaucoup de choses qui restent derrière les coulisses. On ne les voit pas, on peut supposer, mais on ne sait pas toute la plénitude, toute l'ampleur, disons, la situation. Il y a des intrigues, il y a des jeux politiques, il y a l'opposition, n'est-ce pas? Et il y a des motifs qu'on ne sait pas à 100%. On ne Ouais. peut que supposer. Et c'est pourquoi il y a des théories conspirologiques, n'est-ce pas? Et parfois, ces théories conspirologiques sont vraies, sont réelles, n'est-ce pas? Petit à petit. On n'aurait jamais dit, mais finalement, on aboutit à la situation que c'était quand même vrai. Enfin, on verra bien. Et donc là, on avait un client français, Dominique, et qui a... Donc lui, il est arrivé du 14 au 18 et il a eu peur. Il voulait partir en Pologne et vous l'avez rassuré, c'est ça? Oui, il est venu encore avant. Il me semble que le 12, il était déjà en Ukraine. Oui. Mais oui, vous savez, tout était déjà planifié. On s'est mis d'accord du lieu et de l'endroit, du temps, des horaires, des rencontres. Tout était bien. Et j'étais déjà en train d'aller à la première rencontre et j'ai eu un message du client. Que Nadia, est-ce que tu peux me chercher en taxi pour que je puisse partir jusqu'à la frontière avec la Pologne, prendre là, voilà, franchir la frontière et prendre là l'avion ou bien le car, voilà, quelque chose comme ça. Bien sûr, j'ai appelé l'agence, la représentante de l'agence ici en Ukraine. Je lui ai parlé de cette situation. Finalement, bien sûr, on lui a donné la possibilité de faire le choix. Bien sûr, c'est une personne adulte et personne ne peut le retenir. Ouais. Forcément, il doit rester volontiers ou il peut partir. Donc, il a réfléchi. Je lui ai dit que vous êtes une personne adulte, réfléchissez encore. Lui, il a commencé à réfléchir vraiment et après, il a donné ses raisons. Il a dit que s'il partait, il ne reverrait plus ses femmes parce que les femmes seront vexé. Ouais. Les femmes, il y avait deux femmes parmi Ah.
C'est Attention, un petit... votre caméra est tombée. Ah, oui. Maintenant, c'est mieux? C'est trop haut. Ah, oui. Maintenant, c'est mieux. Voilà, Oui, ouais, c'est mieux. oui. Voilà. De toute façon, lui... Ah, il y avait deux femmes, hein, de Zaporogier et de Kharkov. Juste les régions que se trouvent, la première, Kharkov, se trouve à 60 km de la Russie. Et Zaporogier, c'est aussi vers le sud-est, donc pas tellement loin de la Russie. Mais les femmes, ils n'ont pas annulé les visites. Donc les femmes étaient vraiment très courageuses. Elles étaient prêtes à partir pour Kiev. La deuxième raison, la troisième raison, elle a dit que de toute façon, il y a toujours quelque chose qui empêche à venir. La première chose, c'était le Covid. Maintenant, c'est un risque de l'invasion. Et si, par hasard, il y aura encore un risque quelconque, donc il risque à son tour de ne pas trouver une femme. Ouais. Donc, il a vraiment, il a pris du risque. Il est resté. Tout s'est bien passé pour lui. Pour Oui, le moment, oui. ça s'est bien passé, ouais, donc ces La rencontres. date, vous savez, encore pour revenir à notre sujet précédent, on nous parle toujours des dates déterminées du début de l'invasion. Chez nous, il y a déjà beaucoup de mèmes sur Internet. Les mèmes ou bien des plaisanteries où on se moque de la date de l'invasion, vous savez. Ouais. Le 16, non. Ah, au début, c'était juste pour le Noël catholique, le 25. Non, l'invasion n'avait pas eu lieu. Après, c'était prévu pour le 7 janvier. Non, il n'y avait pas d'invasion. Après, c'était prévu pour la fin du janvier. Pour le 14, le 16 février, toujours il n'y a pas d'invasion. Donc, on rit déjà, vous savez, c'est aussi un phénomène pour ne pas avoir peur, on rit. Mais voilà, le 16, peut-être notre conversation est trop, trop chaude, oui. Ouais. La caméra s'est réchauffée. Donc, mais pour le moment, tout s'est bien passé. Il est déjà parti. Le 20, il devait déjà partir pour la France. Ouais. Et Et donc, de sécurité. il y a eu plusieurs clients qui sont venus. Oui, c'est ça, j'ai été surpris de voir quand même que nos clients sont courageux parce que depuis le début du mois de janvier de cette année, on a eu pas mal de mariages et de clients qui se sont déplacés à Kiev pour faire des rencontres. Hein, ça les a pas tellement dissuadés de voyager. Donc vous avez dit 5 accompagnements depuis. Depuis le début de janvier, j'ai déjà accompagné 5 clients de CQMI. Ouais. Dont 2 Belges. Deux Belges, un Suisse et deux Français. Et il n'y avait pas un Canadien qui était venu? À ma connaissance, j'ai vu votre vidéo avec un Canadien qui Guy? vient de se marier, oui, Oui. de se marier, pardon, Ouais, mais Guy. je ne l'ai pas accompagné. Donc, je parle seulement des personnes que j'avais accompagnées. Il y en avait 5. Mais j'ai vu aussi la vidéo Guy, avec. ouais, Oui. c'est courageux ce Oui. qu'il a fait, ouais. Oui, c'était très sympa. Voilà, ça. Ouais. Et il y avait un Canadien aussi, c'est Félix. Félix. C'était juste à la fin de l'année Ah. 2021, au Oui, mois de d'accord. décembre, le 27 décembre. Mais Ouais, je qui sais est. aussi, Antoine, je me suis préparée pour notre conversation. J'ai révisé mes notes. Oui. J'ai fait la liste, bien sûr, je ne vais pas l'afficher devant l'écran, mais quand même, j'ai fait ma liste des rencontres depuis 2020. Pourquoi depuis 2020? Parce que c'était le début de la pandémie. Et en 2020, beaucoup de gens, bien sûr, tout le monde était bloqué. Les gens ne savaient pas à quoi s'attendre. Les frontières étaient bloquées, les gens restaient chez eux.
Et je fais une petite parenthèse, c'est en ce moment que vous avez proposé une option excellente de faire des rencontres par Skype. C'était vraiment une issue, la solution merveilleuse. Beaucoup de gens se sont retrouvés par Skype et cela a beaucoup aidé. Je n'énumère même pas le nombre des rencontres que je fais par Skype. Je vais parler seulement des rencontres que je fais en réel. Donc, en 2020, il y avait 13 personnes qui sont venues quand même. Et à noter qu'il y en avait quelques-uns qui sont venus pour la deuxième fois. Et il y avait quelques personnes qui se sont revenues la même année. Donc, 13 personnes en général. Et après, ils sont revenus à plusieurs reprises aussi. Ouais. Donc, c'est un bon nombre de clients vu la situation incertaine, n'est-ce pas, avec la pandémie. Ensuite, en 2021, il y en avait 18 hein, avec la même situation, c'est-à-dire une rencontre, deux rencontres et même trois rencontres. Une personne qui a fait trois rencontres. Et il y en avait en 2021, il y avait deux Canadiens, parmi lesquels Félix que vous avez mentionné. Il y avait aussi Yvan, mais Félix, il est venu pour une seule rencontre. Et Ouais. Yvan, il est venu pour 6 ou 8 rencontres. Vraiment, le trajet, le voyage est si long que les gens font du Canada. Ils viennent d'au-delà de l'océan, donc bien sûr, ça vaut la peine de venir pour plusieurs rencontres. Oui, Yvan, il était comme Guy, il devait venir sur le voyage de groupe du mois de mars 2020 et il a voyagé tout seul et donc, il a invité au Canada sa préférée, qui était. Et Boris Lava l'a rencontré parce qu'ils avaient organisé à Montréal un lunch ou une rencontre entre filles, parce qu'il y a un groupe de femmes du CQ, qui sont venues grâce au CQMI, qui sont venues au Québec, et elles se rencontrent régulièrement. Oui. Et Yvan était là avec sa dame. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Ludmila. Ludmila. Oui. Borislava m'a gentiment envoyé des photos de cette rencontre. Merci. C'était très sympa. Et lui, Yvan, il était aussi très sympa, très persévérant. Voilà. Et il a eu beaucoup de succès avec ces rencontres. Donc, la plupart des clients étaient de la France. Il y en avait quelques-uns du Canada et quelques-uns de Belgique. De la Belgique et un client de la Suisse. C'est déjà Ouais. cette année-là. Donc, quand même, on travaille bien, ça fonctionne. Espérons que la situation actuelle va se stabiliser. À ce point de vue, tout est bien. Ouais, c'est au moment où on pensait que le Covid était fini que c'est une nouvelle histoire qui commence. Ouais. Vous savez, oui, la COVID, oui, la situation s'améliore. Bien sûr, ce n'est pas encore un bon moment de parler de la disparition totale du COVID, mais c'est déjà beaucoup mieux. La situation n'est pas aussi incertaine que c'était avant. Et il y a déjà la lumière à la fin du tunnel. Ouais, la Tunnel. lumière au bout du tunnel, ouais. Voilà, donc on va espérer que la situation aille mieux, même si j'ai des doutes. Et puis, en tout cas, merci Nadia d'être toujours fidèle au poste et Merci. de vos. Merci pour vos lettres, toujours très détaillées. Quand vous faites des accompagnements, vous nous faites un compte-rendu très détaillé qui est toujours très très intéressant à lire et très utile pour ma femme Borislava. Merci. Voilà, ben merci pour cet état des lieux. Merci. Et passez mes bonjours aussi, mes bonjours à Borislava. Ouais, je ne manquerai pas de lui dire. Et puis peut-être qu'on pourrait faire des points comme ça régulièrement.
une fois par mois pour voir un petit peu la situation, comment ça va se passer. Voilà. Merci. Donc, merci Nadia. Passez un bon dimanche et puis à la prochaine. Merci, à la prochaine. Donc, je vais arrêter là.